on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Oui, encore, j'ai reçu un colis. Bah, c'est vrai qu'avec les soldes, hein, on est tenté. Donc, je vais vous ouvrir mon colis que j'ai reçu de chez Rita. C'est un colis que j'ai commandé mercredi, le premier jour des soldes. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et je l'ai déjà reçu, donc je suis très contente. Et puis, bah, la vidéo, comme je vous en ai déjà mis une aujourd'hui, bah, du coup, je vais attendre un peu. Je vous mettrai ça la semaine prochaine. Donc, vous serez la semaine qui suit. Donc, où est-ce qu'il est mon cutter? Je vais ouvrir, découper cette petite femme. Donc, c'est dans l'autre sens. Hop. Leurs cartons sont vraiment très sympas. Oh, je suis contente. Alors, j'ai un petit marque-page que je n'ai pas acheté. Je ne sais pas, c'est un petit cadeau en plus. Un petit échantillon de papier, je ne sais pas. Alors, déjà, j'ai commandé des palettes pour ma fameuse passion aquarelle. Franchement, ça existe beaucoup en céramique. Là, c'est en plastique. Au moins, ça ne se cassera pas. Mais c'est d'hyper bonne qualité. Franchement, très, très bonne qualité. Donc, très contente. Et celle-ci, je crois qu'elles étaient à 1 euro. Hein, ces palettes. Et celle-ci, très sympa aussi. Et puis là, du coup, on peut faire différents mélanges. Mais surtout, la grande plaque qui m'intéressait. Donc, très sympa aussi. Voilà pour les palettes. Ensuite, ça c'est un cadeau gratuit. Je n'ai pas eu Rita. Il n'y a pas écrit dessus, mais je n'ai pas commandé ce truc parce que déjà c'est en espagnol et moi je ne comprends pas l'espagnol. Donc je pense que c'est un cadeau. Donc c'est super sympa pour les Espagnols. Mais pour moi, je ne m'en servirai absolument pas. Donc, si quelqu'un parle espagnol et le veut, ou alors je le mettrai sur Vinted à 1 euro, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu ça. Je découvre en même temps. J'ai commandé ce ciseau. Je le voyais sur plein de vidéos et je le trouvais trop beau. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour le détourage. Il est, par contre, il est lourd. Je voudrais couper un truc là. Bah, pas ça. Qu'est-ce que je pourrais découper? Ah, bah là. Hop. Juste ici, j'ai des feuilles. Je vais en découper pour voir. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, il n'est pas trop mal. Il coupe bien, mais par contre, il est un peu lourd. Je pense qu'on a un peu mal ici si on découpe pendant 2 heures. Personnellement, moi, je découpe avec ces ciseaux-là et je n'ai jamais mal aux doigts. C'est hyper confort. Je les adore. Je fais tous mes détourages avec ça. Mais du coup, bah, je voulais essayer, mais il est pas mal quand même. Ensuite, j'ai pris un pinceau acrylique Van Gogh, encore un pinceau rose. Si vous avez vu, je vous ai fait un haul ce matin et j'avais acheté des pinceaux roses aussi. Il a l'air très sympa, il est très fin, je sais pas par rapport aux autres. Donc ce matin je vous ai montré cela. Donc ça ressemble, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Et en fait, les deux petits ont l'air, je sais pas où on peut bien voir, ont l'air vraiment d'être de la même taille. Celui-ci c'est un 4 et celui-ci c'est un 2, mais ils sont de la même taille, je trouve. Je sais pas, je comprends rien au numéro des pinceaux. Donc bah voilà, j'ai pris ce pinceau-là. J'espère qu'il sera bien, je l'essayerai.
Voilà, je continue avec, je me suis pris ce cutter, c'est un cutter rotatif 360 degrés. J'ai vu des vidéos où on pouvait détourer des tamponnages avec ça et j'ai hâte d'essayer. On verra si j'ai le temps à la fin de la vidéo. Ensuite, j'ai pris une règle. Je croyais qu'elle était rose, mais en fait, elle fait un peu marron. Hein. Je sais pas, on voit rien avec ça, ça coupe la luminosité. Regardez quelle couleur vous trouvez, vous. Je vous montre du rose à côté. Ça fait pas tout à fait rose. Ça fait vraiment très très vieux rose. Hein. C'est rose marronné. Et derrière, vous avez du liège. Du coup, je ne sais pas si ça va être stable ou si c'est bien. Au moins, ça ne dérape pas. À voir, je vous en dirai plus après utilisation. Donc voilà pour cette règle. J'ai pris aussi la fameuse colle. Moi, j'utilise beaucoup de colle blanche et j'utilisais énormément une colle verte. Bah, j'ai plus de tube. Après, je m'étais rabattue sur celle-ci et du coup, bah, là, j'ai envie d'essayer celle-là. Elle a l'air pas mal. Et comme je me suis dit que j'allais pas commander tous les 4 matins, j'en ai pris 2 pour moi. Pour que je puisse avoir un peu de stock. J'espère qu'elle est bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris, je vais me regarder, un tapis pour ma Cricut. Le mien commençait à moins coller, était très abîmé. Et en plus, il s'arrêtait en fait à... Ah, c'est dans l'autre sens. Il s'arrêtait à 16. Et donc, du coup, j'aurais tout ça en plus pour pouvoir faire des trucs un peu plus grands. Et je me dis que c'est pas mal, en fait. Donc, voilà. J'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un bloc acrylique néon rose qui fait 9 par 7. Donc, moi, j'ai... Mes deux chouchous, c'est ces deux blocs-là que j'utilise tout le temps. Celui-ci, c'était mon tout premier que quelqu'un m'avait fait avec un plexi. C'est pas du tout un truc de scrap. Et après, celui-ci, je l'ai eu en cadeau par un site. Je sais plus quel site. Et du coup, je l'aime bien, je l'ai gardé. Et en fait, là, ça fait à peu près l'équivalent, un petit peu plus long. En rose, par contre, il est très fin. Alors, je ne sais pas si c'est pratique pour prendre sur les côtés un si petit. Parce que déjà, ça, des fois, je trouve que là, c'est vraiment tout petit. Quand on tamponne, en fait, les doigts coincent un peu. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire, ce truc. En tout cas, c'est beau. On verra à la longue. Sinon, je peux faire mes mélanges d'aquarelles dessus. Mais je suis en train de me dire, comme c'est rose, ça, je ne verrai pas bien la couleur. Donc, non. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté que je peux vous montrer? J'ai acheté ça. C'est de chez Laura by Laura, des fils. C'est nouveau. Et du coup, ça permet de faire de la broderie. Ça se fait de plus en plus, je trouve. Et du coup, j'ai pris le panel de rose et de bleu. Donc, j'ai pris le blush, le rosa, le azul et le océano. Voilà, pour voir les couleurs. On ne voit pas très bien du tout sur le site. Et là, franchement, je pense que vous verrez mieux les couleurs comme ça, hein, pour choisir. Donc, dans les roses... Si je regarde bien la lumière, il n'y en a vraiment pas deux pareils. Ils sont très complémentaires, c'est pas mal. Et dans les bleus, pareil aussi, ils sont plutôt pas mal et assez complémentaires. Petite préférence pour celui-ci, le azul. Le océano, je trouve qu'il tire un peu trop sur le vert canard. Vert bleu canard. Donc voilà. Ça, je ne vais pas vous montrer. Ça, c'est... Oui, quand je dis je vais pas vous montrer, c'est parce qu'en fait, je vais faire un échange avec Aurore, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, je ne veux pas vous montrer tout. J'ai eu un petit sticker comme ça aussi en plus. Regardez-moi ça, je croyais que c'était des dyes.
En fait, non, c'est des pochoirs. Ah mince, moi je croyais que c'était trop bien, que c'était un die qui allait percer à notre place et tout. C'est trop mal expliqué. En plus, comme je parle pas espagnol, en fait, c'est vraiment comme les ateliers de Karine en quelque sorte avec les pochoirs. Et à chaque fois qu'il faut percer, ça me perfore le doigt. Je m'étais dit, oh, si c'était un die, ça aurait été bien. Et puis, vu le prix, franchement, je pensais vraiment que c'était un die. Mais non, c'est pas grave. Je vais perforer moi-même. Donc, c'est la carte du monde avec des petits zigouigouis pour faire des petits soleils et tout. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. On voit peut-être mieux comme ça. C'est des pochoirs. Et puis, une fois bien lancé, vous voyez bien, j'ai pris aussi ceux-là pour faire des petites formes comme ça. Un peu classique. Donc voilà, bon bah tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors par contre, je ne savais pas que les papiers chez Rita Rita font cette taille. C'est pas des papiers 30-30, la fille qui ne lit jamais les notices. J'ai pris des feuilles, elles sont énormes. D'un côté, je suis hyper contente. Et d'un autre côté, je me dis, oh dommage, du coup, j'aurais dû en prendre plus de chaque. Parce que quand vous faites un mini-album, bah là, au moins, vous avez la place de tournicoter, de faire des cachettes secrètes et tout, sans faire trop de raccords. Franchement, trop contente. Donc là, c'était un rose. Là, c'est un bleu. C'est vrai qu'avec la lumière, je ne sais pas si on voit trop bien. C'est bleu. Très, très beau bleu. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est rose, rose et bleu. J'essaye de faire un peu d'ombre que vous voyez bien. Donc le bleu, j'en ai pris deux. Il est trop beau, je suis contente. J'ai pris un autre rose avec des petits cœurs. C'est pas le même rose que l'autre. Il est un petit peu plus foncé, donc c'est super. Je l'avais pris en deux fois aussi. Et j'avais pris un autre bleu. C'est bleu-gris un peu, c'est trop beau. En fait, je me demande si c'est bleu ou si c'est gris en fait. Je pense que c'est gris. J'avais pris des papiers gris-rose. Ah! J'en avais pris un autre. Encore un autre. Là, avec des motifs floraux. Trop beau. Ils sont trop bien les papiers. Et voilà, je l'avais pris deux fois, quand même. Et puis après, j'avais pris, trop contente, du Basil Tutu Rose. Donc, c'est un vrai rose pâle, trop beau. Et là, j'en ai pris cinq. Voilà. J'en ai pris cinq. Franchement, ils sont trop beaux. Avec tous mes papiers, plus ça. Ça va être trop bien ensemble. Donc les basiles, c'est bien les 30-30. Et donc chez Rita Rita, les papiers sont immenses. C'est trop bien. Je sais pas s'il y a la taille. Non. Il n'y a pas la taille, mais franchement, ils sont trop bien. Je suis hyper contente. Voilà pour ce haul Rita Rita. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de passer commande. En tout cas, j'ai acheté le premier jour des soldes, mais il n'y avait absolument rien en solde. Voilà, je t'ai dit. Et c'est pas grave, c'est comme ça, je suis quand même contente. Donc voilà, je vais tout ranger maintenant et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour la suite des aventures.